Bon appétit! On est en Toscane et en bas il y a une rivière. Hello! On est bien arrivé à Saturnia. Enfin, c'est dans. Enfin, c'est dans. C'est en Toscane, mais je pense que c'est dans le département de Grosseto. Enfin, en tout cas, la plus grosse ville à côté, c'est Grosseto. On a mis 3 heures de route environ depuis Florence. On a trouvé notre petit endroit pour dormir. C'est bien sympa. C'est à côté d'un petit village. Je ne sais plus le nom. Bah c'est Saturnia. Je pense que c'est Saturnia. On n'a pas eu le temps de visiter encore, mais il a l'air hyper mignon, tipi, c'est un petit restaurant. On est près de la nature, donc ça c'est trop cool. Ça nous avait quand même manqué à Florence d'être dans la nature. Et franchement, la campagne de Toscane, c'est magnifique. Là, on s'est posé près d'une rivière, à 100 minutes en voiture de chez nous. Ça fait trop du bien. On s'est posé toute l'après-midi. Je pense qu'on va peut-être aller au restaurant, se manger un petit truc. Et ensuite, on va dormir. Et demain, on se lève tôt parce qu'on va au terme de Saturnia. Terme di Saturnia, ça s'appelle. Parce que c'est pour ça qu'on est ici, en fait. On les a déjà vus de loin en arrivant sur la route. Et c'était trop beau. Donc, j'ai trop hâte d'y aller demain. On va y aller tôt pour qu'il n'y ait pas grand monde. En plus, c'est des sources d'eau chaude. Donc, je pense qu'y aller en plein après-midi, c'est pas forcément très agréable en plein mois de juillet. Ça va nous faire du bien, je pense, au petit matin. On a trop hâte de découvrir cet endroit qui a l'air magnifique. On est arrivé au Terme di Saturnia. Il est 6h du matin. On s'est réveillé à 5h15. Et il y a déjà du monde. Enfin, ça va plus ou moins, mais voilà quoi. On m'avait prévenu, en plus on est en pleine saison, donc je suis pas trop étonnée. Mais en tout cas c'est super beau et c'est gratuit quoi. Il y a écrit Cascate del Molino, donc la cascade du moulin. Et puis on arrive et puis voilà, elle est là. Donc c'est entrée gratuite. Après il y a les thermes de Saturne où là il y a hôtel, spa, golf. Et là c'est payant, mais cette partie-là est libre d'entrée. Thank you.
Hello! Aujourd'hui, on a quitté Saturnia après avoir visité les thermes. On part rejoindre un autre village pour aller dans d'autres sources d'eau chaude qui s'appellent Bagni San Filippo. C'est toujours en Toscane et c'est à 1h20 de route à peu près. On s'est arrêté sur la route parce qu'en fait, on avait faim. On avait envie de manger et en plus, les routes sont juste magnifiques. C'est comme ça tout le long, c'est trop beau. Donc là, on est en train de se préparer des pâtes au pesto avec une belle vue comme ça. Débrief par rapport au Terme di Saturnia et Bagni San Filippo. Donc c'était vraiment trop bien. Les deux thermes, ils sont magnifiques. Ouais, trop ils se valent vraiment, même s'ils sont très différents quand même l'un de l'autre. Ils ont chacun leur avantage et leur inconvénient. À Saturnia, c'est beaucoup plus touristique quand même. Il y avait du monde, même le matin à 5h, il y avait quand même déjà pas mal de monde, alors qu'à San Filippo, on était presque tout seul, ouais, à 5h. Après, dans l'après-midi, il y a du monde. C'est quand même touristique, hein, mais ça fait peut-être un petit peu plus sauvage parce que c'est plus c'est dans la forêt, près d'une rivière. Mais Saturnia, c'est peut-être, je dirais, un peu plus impressionnant parce qu'il y a vraiment les cascades, en fait, les thermes face à la vue. C'est plus mystique, on va dire. Il y a une ambiance particulière qu'on ne retrouve pas à San Filippo. Mais en même temps, San Filippo, moi, j'ai trouvé ça un peu plus dans la nature. Plus au calme, il y a l'eau est plus chaude. Ouais, moi, je suis pas totalement d'accord avec toi parce que j'ai trouvé ça aussi un peu mystique, San Filippo, parce que c'est dans la forêt. Et quand on est arrivé à Saturnia, donc on n'était pas tout seul, il y avait d'autres gens et en fait il y avait les fumées donc qui sortent des thermes et avec la brume, le soleil levant, c'était magnifique, c'était féerique en fait. Et à San Filippo, justement, moi je trouvais qu'il y avait un côté mystique mais un peu creepy. On était tout seul. C'est sale, il y avait des déchets, il y avait des tongs de chaussures, des bouteilles de bière dans les thermes, quoi. Enfin, et du coup, on était un peu bon. Il n'y avait pas encore de lumière en fait, parce qu'il y a les grands arbres qui cachent, donc on était là. Voilà, c'était pas du tout la même ambiance. Ouais. Et ouais, par contre, les thermes à San Filippo sont plus chauds, donc ça, c'est quand même agréable. C'était hyper relaxant. À San Filippo, on était KO parce qu'en fait, l'eau est super chaude, elle va de 25 à 52 degrés, plus on descend les bassins, plus c'est froid.
à Saturnia, c'est 37 degrés. Donc 52 degrés, c'était vraiment hyper chaud. Ce serait cool dans un bain chaud, dans un jacuzzi. C'est même difficile de rentrer. Il faut s'habituer à la chaleur parce que ça brûle au début. Ouais, ça brûle un peu. Et à peu près, du coup, avec la fatigue, je pense, on était KO, on était assommés comme On a, dans notre dormi, en fait. Mais les deux étaient très relaxants, très agréables. Il y a l'odeur de soufre qui est présente. Donc le soufre, si vous ne savez pas, ça sent l'œuf pourri. Mais ça va. Ça va. C'est correct. Après, c'est pas une odeur qui me dérange trop et je trouve qu'il y a d'autres endroits, j'ai déjà visité d'autres endroits, notamment en Indonésie, où ça sentait bien plus fort. Là voilà, ça reste un peu sur les cheveux, etc. Mon maillot de bain, il y a un peu taché aussi. Je sais pas trop si je vais réussir à le ravoir, mais il est un peu orange. Moi, j'ai une petite préférence pour Saturnia et moi plutôt San Filippo. Mais vraiment, ça joue à peu. Les deux sont géniaux et ils sont gratuits tous les deux. Donc c'est assez incroyable. C'est cool et c'est tous les deux des sources naturelles. Donc on les conseille vraiment. On a adoré. On est à Asciano dans un petit village près de Creti Senesi. Là, on a dormi et on est en train de manger des pâtes dans un bon restaurant qui s'appelle Menkeiti, et le village est trop mignon, donc on profite. Après les penne au gorgonzola pour moi et les pâtes ricotta épinards pour Étienne, c'est tomate. Ouais, le deuxième plat, tomate mozza. C'est marrant parce que nous en France, ça c'est plutôt une entrée et après le plat, les pâtes. Pourquoi pas l'inverse? Mais là c'est l'inverse. Buon appetito, amore mio. On est arrivé à un spot trop beau! Elle mange des pâtes à la truffe. Bon appétit! Pizza et focaccia!